c'est Dieu, alléluia. Il est merveilleux. Il dit quoi? On va lire la parole de Dieu. Amen. Néhémie 6, verset 1 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Onon. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Mm-hmm. » Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Mm-hmm. Sambala m'envoya ce message 5e fois par son serviteur, mm-hmm, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter et que c'est par ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi et tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Au verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me redis chez Maéja, fils de Delaja, fils de Mehé Tabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pour la nuit, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était point Dieu, que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Et le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette attente à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. C'est ça. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. C'est ça. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Lorsque tous ses ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, car ils éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Tu vas répéter cette parole après moi. Tu vas dire le projet que l'Éternel Dieu a établi sur ma vie. Le projet que l'Éternel Dieu a établi sur ma vie. Le projet que l'Éternel Dieu a établi sur ma vie. Le projet que l'Éternel Dieu a établi sur ma vie. Va arriver à son terme. Va arriver à son terme au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu n'es pas assis ici par hasard. Tu n'es pas assis ici par hasard. Alléluia. Vous voyez, quand on prend l'histoire de Néhémie, amen. Pendant que j'étais en train de prier, je demandais à Dieu, mais quel message que je dois donner? Il dit, amen, il m'a dit le thème de l'enseignement. Alléluia. Amen. Et quand je suis allé voir l'histoire de Néhémie, j'ai compris que c'est la suite de ce que nous avons vu dimanche dernier. Amen. Dimanche dernier, le thème c'était quoi? La puissance de la parole de Dieu. Qui sort de la bouche d'un homme. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce que tu vas dire sur ta vie qui va t'arriver. Amen. Est-ce qu'il comprend là? Amen. Ton amen qui est masqué là. Amen. Faut que ton amen traverse le masque. Amen. Ce que tu dis là aujourd'hui, c'est ce qui va t'arriver. Amen. 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 Je ne vais pas faire beaucoup de prières. Amen. Tu as vu, la soeur, quand elle a témoigné, elle ne sait même pas le thème que je vais donner. Alléluia. Elle dit, amen, Dieu lui dit, Dieu lui convainc qu'elle est guérie, mais elle dit non. Ouais. Amen. Et amen, le diable même pousse, elle va vers même un médecin. Il lui dit, ah bon, écoute, ton affaire là, c'est une question de médicaments.
Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez Néhémie. Néhémie, amen, c'est quelqu'un qui travaillait avec le roi. Alléluia. Parce qu'ils étaient en déportation. Vous savez, souvent quand Dieu se fâchait contre Israël, amen, son peuple, alléluia, le peuple qu'il avait pris en témoin au milieu des hommes, il les faisait souffrir, amen, en les punissant, amen. Il amenait des gens qui ne connaissaient pas Dieu à prendre le dessus sur eux, alléluia, pour leur donner une bonne leçon. Amen. Et donc, en déportation, Néhémie, un jour, il se lève à côté du roi, amen, et dit au roi, écoute, s'il te plaît, j'ai à cœur vraiment d'aller à Jérusalem pour aller... il n'explique pas vraiment, mais il avait vraiment à cœur. Il dit, laisse-moi aller à Jérusalem, parce que j'ai quelque chose à faire là-bas. Alléluia. Donc, le roi touché par Dieu. Il faut dire touché par l'éternel Dieu. Il faut dire touché par l'éternel Dieu. Touché par l'éternel Dieu. Le roi touché par l'éternel Dieu lui donne son accord. Amen. 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 Et le roi sait que lui, là, je lui donne mon accord. Mais vu que, amen, c'est nous qui avons pris Jérusalem en otage. C'est nous qui dirigeons ce lieu. Amen. Et tous les rois qui sont autour de Jérusalem, c'est moi qui règne sur eux. Ok. Mais si je le laisse partir seul, amen, ces rois-là vont contester, amen, le fait que je lui ai donné le droit d'aller à Jérusalem pour faire ce qu'il doit faire. Amen. Donc le roi le fait accompagner. Amen. Et lorsqu'il est accompagné dans la ville maintenant, alléluia, il rassemble tous les juifs, il dit, écoutez, on va rétablir, on va reconstruire Jérusalem. Amen. Amen. Et maintenant, il commence à construire. Alléluia. Il commence à construire. Et les rois qui sont aux alentours, amen, sachant qu'il est en train de rebâtir la ville qu'ils avaient détruite, amen, amen, ils vont maintenant se mettre ensemble pour dire, hey, nous connaissons Israël, nous savons que Dieu est avec eux. Quand Dieu combat avec eux, nous savons que nous sommes vaincus. Donc ce gars-là, Néhémie, il faut qu'on fasse tout pour ne pas qu'il reconstruise la ville, pour ne pas qu'il remobilise, pour ne pas qu'il, par ses actes, il donne de la confiance à ce peuple que nous avons asservi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Je vais dire quoi? C'est ta vie et c'est ma vie. Amen. Lorsque Dieu parle sur notre vie, amen, et que nous sommes en cheminement pour évoluer, amen, il y a toujours l'adversité qui vient se mettre devant nous. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Et c'est ce que Néhémie était en train de subir. Parce que, amen, à chaque fois, les rois, ils envoyaient quelqu'un devant lui. Amen. Pour essayer de le distraire. Amen. Amen. Pourtant, il n'a pas dit exactement ce qu'il voulait faire. Mais ils ont vu ce qu'il était en train de faire. Il était en train de rebâtir les murailles. Ils étaient en train de remettre toutes les brèches qui étaient faites dans la ville. Amen. Parce que Dieu te dit, amen, si tu marches avec Jésus-Christ, alléluia, amen, tu étais dans la rue, tu étais dans la ville, tu écoutais même la télé, tu écoutais même des émissions, quelqu'un venait te parler de Jésus-Christ, amen, tu as décidé de marcher avec Jésus-Christ, alléluia, parce que tu as vu en lui celui qui va te rebâtir, celui qui va te reconstruire, alléluia. Le diable dit, toi là, je ne vais pas te laisser partir comme ça. Il faut dire, tu es vaincu au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus. Il te sera fait selon ta parole. Parce que tu dois comprendre une chose, amen. Lorsque Néhémie est en train de construire, amen, à chaque fois, le roi envoie des gens, amen. Les rois se sont mis ensemble. Ils envoient des gens vers lui. Tantôt, il dit, non, je ne peux pas. Tantôt, il précise bien. Je suis en train de construire, je ne peux pas laisser ce que je construis. Amen. Et puis allez vous voir, ça va me perdre du temps. Dis à quelqu'un, sache arrêter les tentations. Amen. Il faut arrêter les tentations, amen. Pendant que Dieu est en train de te donner, amen. Alléluia, je fais un témoignage. Hier, j'ai reçu une de mes filles. Alléluia. Mais comment cette personne, je l'ai connue? Son compagnon était venu me voir un jour. Amen, il est rentré ici. Quand il est rentré net dans la salle, Dieu me dit, celui-là, il faut le faire accepter Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ok, il est venu.
quand on s'est assis, il a parlé tout, tout. Voilà, moi, homme de Dieu, voilà ce que je fais dans les business. Tant, tant, il parlait pas, je n'ai rien. Il dit, je vais te parler de Jésus. Je commence à lui parler de ce que Jésus peut faire dans sa vie. J'ai dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Il était touché, il dit, oui, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Amen. Il dit, ok. Donc, il a donné sa vie. Quand il est parti, une semaine après, il a été arrêté, il est en prison en ce moment. Vous voyez? Les rencontres avec Jésus, amen, il ne faut pas jouer avec ça. Mais aujourd'hui, je vous parle. Il faut bien m'écouter. Hein? Là même, hier, on était au téléphone ensemble. Il riait comme s'il n'était pas en prison. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce amen, que je veux dire? Amen, amen. Pourquoi? Parce que, amen, oh, je sais pas, même quand je parlais au téléphone, j'étais dépassé. Il dit, mais Seigneur Jésus, c'est pas vrai. Amen, amen. Le monsieur, amen, il vous parle comme s'il est converti, ça fait 10 ans maintenant. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Cette histoire s'est passée là, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes là? Il a lu, là où je vous parle, en prison, il a lu toute la Bible. Amen. Il jeûne comme c'est pas possible. Pourtant sa compagne me dit, hey, papa, non c'est pas vrai. Quand je lui parle de jeûne, non mais il veut m'étrangler. Jeûne. Il dit amen. Elle dit même quand elle parle avec lui, elle dit je suis dépassé. Amen. Les choses que je lui disais avant, il dit non, 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 non. Aujourd'hui tout est oui. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui parle en songe. Les songes sont clairs dans sa vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Mais Dieu a plusieurs manières pour t'attirer. Amen. Et je commençais à expliquer maintenant à son compagne hier pour lui dire, écoute-moi, tu vois ce que Dieu est en train de faire dans ta... Parce qu'il m'a expliqué un songe. Vous savez que souvent, quand Dieu veut vous délivrer, amen, ok, il utilise souvent plusieurs moyens. Soit le moyen fort, comme ce qu'il a fait avec lui, ou bien le moyen doux. Mais le moyen fort, là, il l'a mis en prison. Et puis là-bas, là, il prie maintenant. Amen. Des gens de sa famille sont levés. Ils ont venu cotiser de l'argent pour payer, pour donner l'argent pour l'avocat, tout et tout. Amen, ok. Ah, dis à quelqu'un si tu connais Dieu, il faut lui dire. Est-ce que tu connais Dieu? Quand Dieu a un projet sur ta vie, amen, alléluia, il ne partage pas sa gloire. Amen. Personne ne viendra dire non, c'est nous, on a donné l'argent pour faire ça, pour que tu sortes. J'ai dit, tous ceux qui ont fait les réunions, amen, ils ont oublié ce qu'ils ont dit. Non, on n'a plus l'argent. Pourtant, ils étaient chauds. Toute personne. Lui-même, quand il envoie sa compagne, c'est un témoignage qui est vivant. Quand il envoie sa compagne, non, celle-là, cette tata-là, oh, si tu vas la voir, non, non, elle va donner. Il va la voir, elle est chaude le lendemain. Non, 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 j'ai un problème, tata. Faut dire à quelqu'un, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Quand Néhémie s'est levé, amen, Néhémie est en train de partir. Dieu lui avait dit quelque chose en lui, amen, qui n'a pas expliqué au roi. Amen. Amen. Il n'a pas fait tout le bruit, alléluia. Il est parti, pourquoi? Parce qu'il avait un projet en lui. Amen. Tu as un projet en toi. Amen. Un homme, ton père ou ta mère, personne ne peut l'arrêter. Parce que c'est le Dieu créateur lui-même qui l'a déposé en toi. Amen, amen, amen. Même toi-même, tu ne peux pas l'arrêter. Moi, je sors d'une famille musulmane. Alléluia. Tu ne peux même pas l'arrêter toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand je vois, j'étais au téléphone, hier, je parlais encore avec lui. Amen. Il dit, mon fils, il dit, ah, j'ai commencé à le faire. Il dit, tu vois comment Dieu est fort. Hey, là, tu es en vacances, là. On a commencé à rigoler, alléluia. Amen. Il lui a dit, mais tu es en vacances maintenant, tout ça, amen. Et tu es dans une retraite de prière en ce moment. On a commencé à rire. Tu vois? Parce que, amen, vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, amen, quand il y a un malheur qui vous arrive, et qu'on vous donne la parole qu'il faut, amen, vous comprenez automatiquement. Alléluia. Quand je vous dis qu'il a lu toute la Bible, là, il est en train de recommencer encore. Parce que le Saint-Esprit, non. Parce que pendant qu'il est en train de lire, il a un stylo. L'Esprit de Dieu lui explique, voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est ça qu'il dit à sa compagne. Il dit, toi, il lui a dit, il dit, tu vas sortir serviteur de Dieu. Amen. Quand tu sors de là-bas, en même temps. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais vous dire une chose, Néhémie. Lorsque les gens là étaient en train de... Ils étaient en train de comploter là, mais à chaque fois, ils envoyaient des lettres. Ils envoyaient même des gens. Là, quelque part, il a dit, ils ont essayé de me frayer. Ils ont envoyé même des paroles pour le détourner.
Ça, c'est en créole. On dit il a campé en créole. Il campe ferme. Alléluia. C'est ça, non? Il a campé ferme. Il est resté ferme. Alléluia. Sur sa décision. Parce qu'il avait un projet en lui. Amen. Parce que quand tu es de Dieu, amen, que Dieu est en train d'agir en toi, tes anciens amis là, Dieu va te séparer d'eux. Oh, j'ai dit, il y a des gens, amen, ils croient. Écoutez, Dieu nous connaît. Dieu connaît qui est ton problème parmi tes camarades. Il connaît qui est ton problème dans ta famille. Il peut te séparer. Et si tu veux jouer les dieux, il va mettre un palabre entre vous. Il y a des gens, même, ils sont là, ils voient que la personne est mauvaise, hein, mais il le suit comme un mouton quand même. Dieu dit, toi, attends. Alléluia. Ce témoignage que je fais est réel. Hein. Amen. Alléluia. Les gens même de sa famille, c'est-à-dire, quand je dis gens, imagine que sa mère, les gens même de la famille, qui étaient prêts à donner l'argent. Non, non, on ne peut pas. Non, moi j'ai tel problème. Tout le monde commence à avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut te délivrer, il y a plusieurs étapes. Il te délivre même des liens de famille. Parce qu'il était tellement attaché à sa famille. Amen. Non, quand on dit attaché, tellement attaché, Dieu dit, toi, tu vas voir, je vais te montrer qui ils sont. C'est là-bas, là, qu'il a compris que, ah, ok. Alléluia. Et c'est là que je lui ai dit, que tu sais, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Néhémie a dit quoi? Amen. Le thème de l'enseignement, c'est la parole qui tue. Il faut écrire. Amen. La parole qui tue. Si quelqu'un veut enregistrer, je donne la permission. La parole qui tue. Alléluia. Sur le plan spirituel, qu'elle représente une parole qui tue. Amen. Avant de savoir ce que représente une parole qui tue, nous allons savoir l'importance d'une parole sur le plan spirituel et physique. La parole qui sort de ma bouche. Il faut dire la parole qui sort de ma bouche. Dis à quelqu'un, la parole qui sort de ta bouche. Amen. C'est un véhicule spirituel, amen, qui devient physique. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand Néhémie était en train de partir, il a parlé au roi. On est d'accord, hein? Amen. Dis la parole, dis la parole. Le roi lui a donné sa parole. On est d'accord? Néhémie est parti sur la parole de Dieu. On est d'accord? Amen. Mais pendant que Néhémie était en train, il est arrivé à Jérusalem, qu'il a commencé à rebâtir Jérusalem. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont venus avec des paroles. On est d'accord là? On est d'accord? Alléluia. Pour essayer de l'arrêter. Nous sommes d'accord? Vous allez comprendre. Amen. La parole, amen, elle n'est pas simple. Elle est physique. Elle est d'abord spirituelle et physique. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'amen. Quand tu prends Somme 15 au premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Somme 15 au premier verset, alléluia. Dieu va nous révéler, amen, alléluia, l'importance spirituelle. Amen. On va savoir maintenant, alléluia, pourquoi, amen, alléluia, la parole est spirituelle. Et nous allons comprendre maintenant, alléluia, pourquoi les adversaires de Néhémie cherchaient à s'opposer à lui aussi. On va comprendre tout ça maintenant. Il dit quoi? Vas-y. Tu m'as dit Proverbe, pas Psaume. C'est quoi? Proverbe 15, pardon. Proverbe 15, verset, au premier verset, s'il vous plaît. Proverbe 15, au premier verset. Au premier verset. Il dit quoi? Une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Donc, ici, ce que nous voulons vous dire par le Saint-Esprit, sur le plan spirituel et physique, une parole représente une force. En fait, c'est ça, une force. C'est une force. Il dit quoi? Il dit une parole douce fait quoi? Une réponse douce. Une réponse douce fait quoi? Elle calme. La fureur. La fureur, ouais. Pourquoi? Pourtant, c'est une parole qui sort de la bouche de quelqu'un, ouais. Amen. C'est une force. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fâché, amen, quand tu lui parles calmement, il peut se calmer en même temps. Pourquoi? Parce que de ta bouche sort une force. C'est ça? Amen. Dis la parole
qui sort de ma bouche, sur le plan spirituel, est une force. Alléluia. Mais regarde un autre aspect, alléluia. Amen. Tu dois comprendre que, amen, derrière cette parole-là, amen, se cache quoi? Une énergie. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Et quelqu'un qui me faisait un son, m'expliquait un son juste à l'heure, amen. Alléluia. Quand il me disait quoi? Il me disait que la personne qui me parlait, amen, c'est comme si je sentais l'électricité en moi. Amen. Pour vous dire quoi? Que la parole est une force, est une, derrière elle, il y a une énergie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Regardez. Sur le plan spirituel, amen, ok, et physique, la parole représente une puissance. La parole qui sort de notre bouche représente une puissance. C'est pour cela que en Proverbe 18, verset 21, il dit quoi? Il dit, amen, le pouvoir de ma langue. Là se trouve quoi? La vie ou... Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Au pouvoir de ma langue, là se trouve la vie ou... Amen. Vous voyez? La parole qui sort de la bouche d'un homme, alléluia, est une puissance. Amen. Qui construit et qui peut déconstruire. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. C'est une parole qui peut construire et elle peut déconstruire. Nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Mais regarde encore, amen. Amen. Dans cette parole, amen, alléluia, il dit quoi? Au pouvoir de ta langue, là, la vie ou la mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui parle, puisque c'est une parole puissante qui sort de lui, amen, par sa parole, il peut apporter la mort ou la vie. Nous sommes d'accord? Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Ensuite, amen, vous allez voir, amen, vous prenez par exemple le Saint-Esprit de parler ça, vous prenez par exemple le cas de Hitler. Amen. Hitler, c'est pas un gars qui était géant, comme amen, comme Goliath, amen. C'était un petit monsieur avec une moustache bizarre. Alléluia. Mais il a sorti un livre, Mein Kampf. Amen, alléluia. Là, ce livre, amen. Oh non. Attendez, c'est ce sont les pensées. Il a déposé la parole en écrit. Amen. Ça a transformé une partie de l'Europe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il est là seulement, il lève la main, tout le monde est cristallisé. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il dit, nous sommes la race supérieure. Tout le monde dit oui. Amen. Aux Jeux Olympiques, amen, en Allemagne, amen, c'est un noir qui a gagné. Donc son oui, là, il a étouffé ça dans sa bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Pour dire quoi? Un petit monsieur, vous voyez? Mais la parole qui sortait de sa bouche, amen, pouvait apporter la mort ou la vie. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Dieu, la parole qui sort de ma bouche est une puissance qui peut me construire. Ou qui peut me détruire. Alléluia. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Néhémie? Vous allez comprendre. Amen. On va avancer, tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, la parole est transmise, amen, par deux sources différentes. Oui. La parole qui sort de la bouche d'un homme, amen, a deux sources. Amen. 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 La parole a deux sources. Regardez. Quand on va dans Genèse, amen, au premier verset, il dit quoi? Il dit, Dieu créa. Tu vois, Dieu a créé. Il a créé comment? Par sa parole. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. C'est bon, hein? On est d'accord? Amen. Maintenant, quand vous prenez Genèse 3, amen, vous voyez un autre, amen, qui allait se cacher dans le serpent. Alléluia. Il a mis par la parole le doute dans la tête de qui? De Ève et d'Adam. C'est pour cela que vous devez comprendre qu'une parole qui sort de l'homme, elle a deux sources. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. La première source, alléluia, quand on voit Jean 15 au verset 26, alléluia, il dit quoi? La première source, amen, on sait qu'elle est de Dieu. Mais regardez comment Jésus-Christ va représenter cette source. Jean 15, au verset 26, il dit quoi? Merci, Saint-Esprit. Jean 15, au verset 26. Amen. Quand sera venu le Consolateur? Quand sera venu le Consolateur? Que je vous enverrai de la part de mon Père. Que je vous enverrai de la part de mon Père céleste. L'Esprit de vérité. Écoutez bien, il dit quoi? L'Esprit de vérité. Qui vient du Père. Qui vient du Père.
il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Alléluia. Donc la première source. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui a dit à Jésus, à la création, au Saint-Esprit en ce temps-là, alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre image. On est d'accord? On est d'accord. Amen. Il a pris la poussière, alléluia, et il a créé l'homme. Amen. Et la Bible dit quoi? Il a soufflé dans... Ouais. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, amen, il y a deux sources. La première source, elle vient de Dieu. Comment cette source-là se représente dans la vie d'un homme? Elle se représente par la vérité véritable. Il faut écrire la vérité vraie. Amen. Voilà. Quand un homme te dit que l'homme est descendant de singe, il faut lui dire, si toi tu es singe, comment ça se fait que tu es en ville? Il faut lui poser la question, pourquoi ça se fait que tu es en ville là? Dis-moi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Vous lui posez la question, alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, alléluia. C'est simplement pour vous faire comprendre une chose, amen. Pour, simplement pour vous dire, je vous mets devant maintenant les deux sources. Amen. Ouais. Il y a la source de, qui est basée, la parole qui est basée sur la vérité vraie, la vérité véritable qui vient de l'Esprit de Dieu, qui est soufflée en l'homme. Et puis vous avez la deuxième source. La deuxième source, amen, 2 Corinthiens 11, verset 13 à 14, il dit quoi? Amen. Lorsqu'on représente le serpent qui vient parler à Ève. Regardez ce qui se passe. Amen. Parce que Ève ne savait pas que le serpent qui était là, amen, c'était Satan qui était en lui. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Il dit quoi? Vas-y. 2 Corinthiens 11, verset 13, 14. Amen. Tu viens par le Seigneur. Yes. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Oh, alléluia. Déguisés. Faut dire le déguisement. Le déguisement. C'est ce qu'on vit continuellement dans le monde là. C'est ce qu'on vit continuellement dans le monde. Amen. Alléluia. Vous voyez une femme qui est noire? Vous l'avez vu, il y a quoi, un an, elle est devenue claire, elle est devenue toute rouge après. Parce qu'elle a décapé sa peau. Mais c'est ça, c'est le déguisement. Alléluia. Faut dire amen. Amen. Voilà. Il dit quoi, vas-y. Et cela n'est pas étonnant. Il dit cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Est-ce qu'ils comprennent? Regardez Néhémie. Néhémie nous apprend quelque chose. Il dit quoi? Il dit, amen, oh Dieu, souviens-toi de la prophétesse tant. Souviens-toi de ce prophète. Pourquoi? Parce que, amen, pour arrêter Néhémie, on était obligé d'utiliser des faux prophètes ou des vrais prophètes, alléluia. Mais comme ils ont été corrompus, pour lui apporter des paroles, alléluia, pour l'arrêter. Il faut dire, je refuse cela au nom de Jésus. Je vais simplement te dire une chose. La parole, amen, n'oublie pas une chose. Elle a deux sources. Je répète là-dessus pourquoi. Parce que nous sommes, regardez, la soeur, elle a fait le témoignage, il était clair. Amen. Il était clair. Elle dit, j'ai prié, Dieu a fait ceci, cela. Mais après, amen, il y a rebelote, amen. Voilà. Pourquoi? Parce que quand la vraie source vient te confirmer que tu es guéri, amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu ne vas jamais échapper à la fausse source. On lui dit. Jamais, alléluia. Quand tu as une véritable même guérison, quand tu as une véritable, alléluia, amen, opération divine dans ta vie, amen, la fausse source vient te dire, tu es sûr. Tu es sûr que ça va là. Amen, tu comprends? Alors, amen. Et ça, c'est dans ton esprit. Hein. Tu dis, non, j'ai arrêté de fumer. Et puis, il vient te dire, tu es sûr. Et puis, quelqu'un vient, oh man, oh. Chérie, oh, tiens la cigarette, la main. Toi aussi, t'es là. J'ai arrêté, oh, laisse. J'ai arrêté. Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui est devant moi. Amen. Vous êtes en train de vous, tu parles doucement. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est important, amen. La parole a deux sources. Je préfère m'arrêter un peu là. Parce que c'est réel. Amen. Pourquoi ces rois-là? Ils ont eu l'idée d'aller prendre des prophètes et les corrompre parce qu'ils savaient que Néhémie et eux n'adoraient pas le même Dieu. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois. Amen. Pour qu'on piège Daniel, il
fatigue. Ton prix, c'est combien? Il dit 1 million d'euros. Il dit non, je te demande même 1 million d'euros là-dessus. Va, il faut que tu m'arrêtes, ce monsieur. Et puis le monsieur arrive devant Néhémie. Il dit, Néhémie, c'est chaud. Rentre dans le temple. Là-bas, on va se fermer parce que, oh, j'ai une parole. Oh, riba, baba. Il se tient même par terre. Non, Dieu m'a dit, viens, on se met dans le temple et on se ferme là-bas. Et pendant qu'on va s'enfermer là-bas, je te dis une chose. Ils ont décidé de te tuer aujourd'hui à la nuit. Némi a eu le réflexe de dire, comment un homme, moi, je ne suis même pas un sacrificateur, je ne suis même pas pur. Comment j'allais me cacher dans le temple? Non, prophète, je suis désolé. Est-ce que tu auras le courage de dire ça? Est-ce que tu auras le courage de dire non à la tentation? Un homme seul ne peut pas. Mais lorsque tu as la véritable parole avec toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu peux résister. Amen. Est-ce que quelqu'un a la... Amen. Et Némi, amen. Lorsque Némi, amen, a compris ces choses, amen, c'est simplement pour t'expliquer une chose. Que le projet que Dieu a posé en toi, là, amen, tu dois y aller, tu vas arriver. Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Amen, amen, amen. Tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver, alléluia. Tu vas y arriver. Amen. Mais comment? Avec la parole de vie. Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. La parole est une force créatrice. Amen. 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 Véhiculer aux hommes par une bonne pensée. Alléluia. Amen. Une bonne pensée. La parole de Dieu commence par une bonne pensée. Tout ce que vous voyez là, amen. Alléluia. Quelqu'un est assis. Il dit, il a une bonne pensée, je vais construire tel immeuble. Je vais le construire comme ça, à tel emplacement. C'est la pensée qui est formée en lui. Souvent, on appelle ça des rêves. Ce n'est pas des rêves où, quand les gens expliquent mal, je vous ai dit que le rêve, c'est une pensée, une bonne pensée que tu as. Tu es là et puis tu es assis et tu rêves. Tu penses à ça souvent, ça te retrouve même en songe pendant que tu dors. Amen. Sinon, la pensée, elle se conçoit. La bonne pensée, elle est véhiculée par Dieu dans notre esprit. Amen. Tu vois, vous voyez l'architecte, amen. L'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un papier, alléluia, et puis il dessine, amen, ok, la bonne pensée qu'il a. Bon, en général, la bonne pensée, alléluia. Amen, vous voyez? Il a ça et il dessine. Vous voyez, non? Bon, est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Amen, voilà. C'est simplement pour vous dire une chose, amen. Que vous devez comprendre que, amen, que Némi avait reçu la parole de contribuer à la reconstruction de Jérusalem. Et cette bonne parole lui a été communiquée par qui? Par l'esprit du Créateur. Dieu, quand il vient te parler, amen, ce que tu vas faire, ça va construire. Ça ne va pas te détruire toi-même. Est-ce qu'il est là? Amen. Parce que quand tu prends la cigarette et puis tu fumes, tu te détruis. Quand tu prends l'alcool et puis tu bois, tu te détruis. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né avec ça. Ils ne sont pas nés avec ça. On est d'accord? Amen. Amen. Ouais. Moi, quand j'ai accepté Jésus, amen, je vous ai dit que j'avais l'alcool et la cigarette. Amen. Amen. Mais Dieu, amen, pour me construire, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a libéré. Ouais. C'est le cas de certains parmi nous. Amen. Dieu nous libère. Dieu vient te construire. Quand il te dit arrête, il dit ne marche pas avec telle personne. Il faut arrêter. Parce qu'à cause de toi-même, il peut tuer des gens. Ce que je vous dis est vrai. Est-ce que vous croyez que je plaisante? C'est vrai ce que je vous dis là. Amen, amen. Je vous ai déjà expliqué, je vous dis, amen. Moi, je fréquentais, amen, quand j'étais en Afrique, amen, l'un des grands dealers de drogue. Amen. Alléluia. Il y a longtemps, il était ici et puis il faisait les va-et-vient avec l'Afrique. Amen. Il devait construire une grande boîte de nuit. Amen. Donc, j'étais censé aller travailler avec lui. Donc, il faut imaginer un peu. T'es sûr que je serai là aujourd'hui? Bon, ça. Mais quand il est parti, la dernière fois qu'on s'est vu, il est mort. Il n'est plus revenu. Parce que dans les business là-bas, amen, ils l'ont tué. Amen. Amen. Dieu peut arrêter des gens à cause de vous. Donc si tu aimes ton camarade, amen, il faut te séparer de lui. Si c'est il t'envoie des problèmes, sépare-toi de lui avant que Dieu le tue. Oh. Ou bien la tue. Hmm. Est-ce que vous êtes là? Là? Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce... Non. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que je parle. Amen. Là-dessus. Soyez clair. Amen. Némi avait la parole de la bonne parole. La bonne semence. La parole, la bonne pensée. La pensée qui lui a été communiquée, amen, qui a fait qu'il a, il a proclamé une parole en face du roi pour dire, laisse-moi aller à Jérusalem. Alléluia. Amen. La parole qui tue, c'est quoi? Quand on parle de la parole qui tue, je crois que vous avez commencé à comprendre. La parole qui tue, c'est une sorcellerie qui commence par l'intimidation.
Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Prends Esaïe, amen, 31, verset 4, on va comprendre quelque chose. Quand on parle de sorcellerie, on parle d'un pouvoir mystique, de destruction, amen, qui se fait, amen, sur le plan d'abord physique, amen, et que qu'on voit, et qui se peut faire d'abord sur le plan spirituel, et qu'on voit physiquement. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Les gens décident, ils sont sorciers dans la famille, ils décident que toi, amen, tu es trop intelligent. S'ils te laissent aller loin, amen, tu risques de briser la malédiction de la famille. Parce que les enfants ont arrêté au CM2, toi aussi tu dois t'arrêter au CM2. Il faut dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne t'entends pas. Ce n'est pas normal. Parce que leur enfant est en prison, leur enfant est voleur, leur enfant est dealer, leur enfant est homosexuel, amen. Ils disent que toi aussi tu dois être comme ça. Tu dois dire non. C'est ça la sorcellerie. Ils décident que tu seras comme ça aussi. Donc ils vont soit voir des marabouts, soit voir des voyants, soit faire des choses mystiques. Amen. Alléluia. Pour te conduire là. Il dit quoi? Esaïe. Esaïe 31, verset verset 4. Merci. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Qu'ainsi m'a parlé l'Éternel. Regarde pas à pas. Comme le lion. Comme le lion. Comme le lionceau rugit. Comme le lion et le lionceau rugit. Sur sa proie. Sur sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui. Ne se laisse ni effrayer par leur voix. Le lion ne se laisse même pas effrayer par leur voix. Ni intimidé par leur nombre. Même amen, par leur nombre, il ne se laisse même pas intimider par leur nombre. Oui. Pardon. De même, l'Éternel des armées. Yes. Descendra pour combattre sur la montagne de Sion. Alléluia. Et sur amen. Sa colline. Simplement pour vous dire une chose, amen. Je vais vous parler de l'intimidation. Amen. Quand on va dans le livre de Nombre 20, versets 7 à 12, amen. Je vais simplement, amen, pas à pas, vous montrer comment, quand vous êtes en train d'avancer, alléluia, il y a comment le diable, amen, est en train de se lever contre toi. Comment le diable fait que souvent, amen, on n'aboutit pas à ce à quoi Dieu nous a appelés. Dans Nombre 20, versets 7 à 12, écoutez. L'Éternel parla à Moïse et dit. Yes. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Alléluia. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Yes. Tu feras sortir pour eux de l'eau. Yes. Du rocher et tu abreuveras l'assemblée et le bétail. Écoutez bien. Yes. Moïse prit la verge qui est devant l'Éternel. Moïse a pris la verge comme l'Éternel lui avait ordonné. Amen. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Faut dire, ça veut dire à ce niveau-là, on est d'accord avec Dieu. Faut dire. Amen. Dites à ce niveau-là, on est d'accord avec Dieu. Alléluia, ils étaient d'accord. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Voilà. Regardez ici, amen. Écoutez, doucement. Amen. Regardez là. Ici, amen. Ce que Dieu n'a pas dit à Moïse, là. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Ce que Dieu n'a pas dit à Moïse et à Aaron, ils ont rajouté. Ils ont rajouté. Dieu dit, va parler au rocher. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il dit, va parler au rocher. Allez parler. Tu parles au rocher, amen. Et je vais faire sortir l'eau de là. Alléluia. Mais Moïse va devant devant le rocher, il appelle le peuple. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, peuple rebelle. Vous, là, quand on l'a lu, est-ce que c'est ce que Dieu avait dit au départ? Il faut dire, voilà, les œuvres de la pensée qui tue. La parole qui tue, voilà, faut dire, voilà comment ça commence. Voilà comment sa parole qui tue. Ouais, c'est comme ça que ça commence. Alléluia. Amen. Et de quoi? Écoutez donc, rebelle. Amen. Est-ce que de ce rocher que nous vous ferons de... Pardon, est-ce que est-ce de ce rocher... Est-ce de ce rocher... Que nous vous ferons sortir de l'eau? C'est de là qu'on va vous faire sortir de l'eau. Là, il pose la question au peuple. Puis Moïse leva la main et frappa. Et maintenant, il lève la main, il frappe le rocher. Deux fois le rocher. Amen. Avec sa verge. Dites-moi, amen. Ici, là, c'est Dieu qui lui a dit de faire comme ça, mais c'est le diable. C'est le diable. Alléluia. C'est pour cela que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Vous voyez pourquoi? Parce que, amen, je vais vous parler de la sorcellerie. Je vous ai dit que la sorcellerie, amen, alléluia, c'est quoi d'abord?
Et la parole qui tue, c'est une sorcellerie d'intimidation. On est d'accord. Mais attends d'abord. Regardez. Quand on prend Néhémie 6, on va, ça je vais le voir tout à l'heure. Quand on prend Néhémie 6 au verset 9, amen, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Amen. Verset 9, il dit quoi? Il dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Vous entendez? Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Ça, c'est Néhémie qui parle. Pourquoi? Néhémie est en train de parler de tous les rois qui entouraient Jérusalem. Qui est en train de lui dire, Néhémie, qu'est-ce que tu fais? Viens, on va se rencontrer. Parce que ce que tu fais là, ok? Non. Est-ce que le roi sait? Tu comprends? Mais tout ça, ils étaient en train de l'intimider. C'est pour te dire que, amen, quand tu as pris, tu as choisi de marcher avec Jésus. Quand tu veux marcher dans la bonne voie, amen, parce que tu as entendu la voix de ton Créateur, amen, il faut savoir une chose. Il y a la sorcellerie qui s'appelle la parole de l'intimidation. On vient t'intimider. Amen. Amen. Tu peux rencontrer la femme de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton papa va te dire, elle est de quel pays? Non, tu es en train de bégayer. Parce que tu connais ton papa. C'est un xénophobe. Papa, tu sais, bon, assieds-toi là bien. Non, mais bon, non, c'est une Yougoslave. Tu as cherché en France, tu es allé partout dans les nations, chez nous même, tu as laissé là, et tu vas prendre une Yougoslave. Est-ce que tu comprends un peu? Alléluia. Amen. Ça, là, ancre-toi, l'amour, amen, c'est pas dans son cœur que ça bat, hein, c'est dans ton cœur que ça bat. Lui, il t'intimide. Qu'est-ce que mes parents m'ont dit? Tu vas nous prendre quelqu'un là, hein? Et puis ils vont commencer à te déconstruire maintenant. Les gens là, c'est pas eux qui mangent du serpent là. Hey! Des gens comme ça, ils sont orgueilleux là. Oh! On commence à déconstruire, amen, alléluia, le sentiment que Dieu a déposé dans ton cœur. Ils vont appeler la maman maintenant, voilà. Et puis quand c'est comme ça, ça se passe souvent chez les Noirs, chez les types africains. Ils appellent maintenant la maman. Voilà ta fille ou bien ton fils. Regarde ce qu'il me dit là. Là, tu n'es plus son fils. Alléluia. Là, il t'a exclu en même temps. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. On appelle ça la sorcellerie. Vous faut bien m'écouter, alléluia. Sorcellerie de l'intimidation. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire avec Néhémie. Amen. Maintenant, je vous ai parlé. Pourquoi? Ça, c'est pourquoi? C'est pour essayer d'arrêter le projet de Dieu que tu portes en toi. Amen. 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 Tu dis, tu veux faire tel métier. Ça, là, tu l'as il y a longtemps dans ton cœur. Amen. Parce que ton père, ou bien ta mère, ou bien quelqu'un, inconsciemment, ils sont contrôlés par un lien de destruction de la famille. Amen. Tu dis, non, moi, je vais être ingénieur. Ton papa te regarde de la chaussure jusqu'à ta tête. Petit, chez nous, là, il ne peut pas avoir d'ingénieur. Hé, ce sont des longues études. Oh, où tu vas, là? Et puis là, c'est quoi? C'est pour essayer d'arrêter le projet que l'Éternel Dieu a mis. Il faut dire, je ne me laisserai plus faire. Je ne me laisserai plus faire. Si tu parles dans ton masque, ça c'est ton problème. Tu dois traverser ton masque quand tu parles. Je ne me laisserai plus faire. Dis, je ne me laisserai plus faire. Je ne me laisserai plus faire. Alléluia. Ça s'appelle de l'intimidation. Alléluia. Et puis tu es là, tu mets tes oreilles pour écouter aussi. Toi, il y a un truc, Dieu construit ça en toi. Alléluia. Si ce n'est pas quelqu'un qui parle avec toi, c'est ta chair. Ta chair qui est dedans. Il commence à te parler. Toi, tu es sûr, tu peux arriver là-bas. Regarde. Et puis souvent, quand ta chair te parle, il te donne des exemples bien précis. Regarde-lui là. Regarde ton voisin là. Regarde-lui là. Lui de ta famille, regarde. Il est allé, il a abandonné. On ne peut pas aller là-bas. Et puis ta chair te parle. Et tu es là, tu remis la tête toi seul. On croit que tu es en train de bien penser. Il faut dire, je refuse cette parole d'intimidation. Lorsque Moïse, amen, aïe, Moïse,
sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie de l'autodestruction. Il faut noter ça. Est-ce qu'ils sont là? La sorcellerie de l'autodestruction. Ça signifie quoi? Moïse, amen, Dieu lui donne une parole. Moïse prend la parole que Dieu lui donne. Amen. Amen. Et le diable vient mettre une parole dans le cœur de Moïse. Est-ce qu'ils sont là? Et Aaron, ils viennent s'arrêter devant le peuple. Le diable sait qui est Moïse. Le diable sait qui tu es. Est-ce qu'ils sont là, là même là? Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit là? Alléluia. Amen, amen, amen. Le diable sait qui tu es. Souvent même, nous ne connaissons pas mieux que lui. Il nous connaît. Tu te vois petit, tu te vois comme ça, bizarre là. Mais le diable, là, lui, il sait qui tu es. Il voit déjà les humains que tu vas construire. Amen. Il voit les vies que tu vas sauver. Amen. Lui, il voit déjà. Amen. C'est un voyant. Hein? Ben, il voit ce que Dieu veut qu'il voie, c'est tout. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour cela que Dieu qui est tes yeux, Dieu qui est ta bouche, Dieu qui est ta parole. Amen. 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 Il vient déposer en toi une pensée de construction. Il dit à Moïse et à Aaron, réunissez le peuple, dites-leur. Vous allez parler, écoutez bien, il dit, tu vas parler au rocher. Tu parles au rocher, l'eau va sortir. Moïse, par la parole d'autodestruction. Parce qu'ici, ça a mis son salut même en jeu. Heureusement que Dieu l'a sauvé. Sinon lui-même là, il pouvait même mourir là sur le champ. Pourquoi? Eh oui. Il a mis son salut en jeu. Il va devant le peuple. Ils sont là, ils s'arrêtent gravement. Peuple de rebelles. Bon, dites-moi, le rocher qui est là. Est-ce que vous êtes sûr que l'on peut sortir là-dedans? Ouais, c'est la parole d'autodestruction. Il y a des choses souvent, amen, alléluia. Regardez. Quand son ennemi était en train de construire, on envoyait des. Les rois là, ils envoyaient des lettres, une lettre. Souvent même, ils envoyaient même des hauts gradés de leur armée. Ils pouvaient lui dire, on a besoin de toi, viens nous voir là. Il faut qu'on parle. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Viens nous voir, il faut qu'on parle. Parce que c'est dangereux, alléluia. Regardez, amen. Prends là. Quand on reprend, dans Néhémie, amen, amen, tu vois. Il dit, regarde, je fis répondre à Sambala. Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'invente. Amen. Écoutez bien, maintenant, verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdent courage. Pourquoi? Parce que, amen, quand tu es en train d'avancer dans le projet de Dieu qu'il a déposé dans ta vie, le diable sait que tu es un enfant de Dieu. Et pour t'arrêter, ça va être très difficile. Donc il faut que toi-même tu sois complice. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Il faut que toi tu sois complice de Satan. Satan te dit non, tu ne vas pas y arriver. Toi aussi, madame, monsieur, oui, je ne vais pas y arriver, garde à vous. Alléluia. Amen. Comme la soeur faisait le témoignage, c'est ça. Amen. Satan te dit non. Oh, ça là, tu vois, ça va, oh, c'est fini là. Tu es malade. Elle dit oui, je suis toujours malade. Elle allait voir même encore un gynéco. Lui aussi, dans le coco, il a dit. Amen. Il dit oui. Amen. Oui, oui. Ah, toi, c'est fini. Oh, oh, oh. Tu comprends? Voilà. Tu comprends? Voilà. Parce que le diable, il a besoin de toi aussi pour te détruire. C'est ce qu'on appelle l'autodestruction. Pourquoi? Parce que Moïse et Aaron, ils ne sont pas repris à Canaan. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Parce que le diable a utilisé la sorcellerie. Dis la sorcellerie. La sorcellerie. Dis la sorcellerie. La sorcellerie. De l'autodestruction. De l'autodestruction. Parce que vous avez des gens qui peuvent vous infiltrer cette sorcellerie dans votre esprit, ou bien qui peuvent vous parler. Tu as souvent un camarade ou bien quelqu'un, un membre de la famille, il est toujours négatif. Toujours négatif. Vous avez remarqué ça, non? Il est toujours là, monsieur ou madame, toujours là. Quand tu dis non, mais moi, je vais aller au Pôle emploi, je vais faire comme ça. Hé, mon frère. Hé, monsieur, madame. Toi, tu es sûr? Ah, toi, si on est ici, là, toi, tu dis, tu vas aller comme ça. Ah, non, tu ne peux pas. Moi, c'est mon cousin qui était allé là-bas. Oh, il a arrêté. Tu peux dire, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Tu peux dire, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Alléluia. L'autodestruction, amen. Si ce n'est pas quelqu'un qui te l'infuse, toi-même, là, amen. Alléluia. Le diable s'en charge. Pourquoi?
Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse et Aaron. Aaron est mort le premier. Oui. Aaron est mort le premier. Moïse est mort ensuite. Moïse, même pour lui, ça fait, bon, ça fait pitié. Dieu l'a fait monter sur la montagne et puis Dieu dit, regarde Canaan. Amen. C'est-à-dire que souvent tu fais un songe et puis tu vois ce que Dieu voulait te donner. Tu fais ça le matin et puis après, le soir, tu fais accident de voiture, tu es mort. Faut dire hélas. Ça, ça ne doit pas m'arriver. Ça ne doit pas m'arriver. Oui, amen. Souvent dans les songes qu'on fait là, souvent c'est des choses que Dieu nous montre qu'on doit avoir. Non, on m'a volé mon immeuble, je prends. Non, Dieu est en train de te montrer quelque chose que tu ne vas plus prendre. Pourquoi? Parce qu'on te parle, tu ne veux jamais écouter. Non, ma maman a dit, mon papa a dit, ah non, 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 chez nous là, il y a tel lien, les liens sont tellement forts. On ne pourrait pas y arriver. Arrêtez. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Réveillez-vous. La parole que Dieu amène, elle agit par l'autodestruction. Et elle agit aussi autrement. Regarde. Amen. Elle agit encore comment? Elle agit, amen. Et quand on prend, regardez, quand on prend dans le livre de Nombre 20, amen, regardez. Regarde d'abord comment ça commence. Comment Aaron et Moïse vont, amen, dévier. Parce qu'ils ont été provoqués. Quand on lit Nombre 3, amen, c'est pas. C'est, amen. Quand on lit Nombre 3, amen, alléluia. Ils ont été. Nombre 20, verset 3, amen. Non, c'est pas la peine, t'es pas obligé de. Je vais le commenter, alléluia. Quand on lit, amen, regardez un peu plus loin, vous montez. Vous allez voir que, amen, c'est le peuple qui a suscité, qui a poussé Moïse et Aaron à la faute. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Tu dis la sorcellerie d'autodestruction. La sorcellerie d'autodestruction. Est-ce une bonne ou mauvaise? Non, faut dire ce que je te dis. Hein, amen. C'est une bonne ou mauvaise pensée qui pousse une personne qui porte le projet de l'Éternel Dieu en lui à parler contre lui-même. Et contre le projet que l'Éternel Dieu a déposé en lui. Oui, parce qu'en fait, c'est une mauvaise bonne pensée. Pour ne pas dire c'est une pensée, c'est à toi de choisir. Alléluia. Parce que, amen, quelqu'un peut venir te dire, les femmes qui ne sont pas mariées, la personne peut te démonter par A plus B qu'il est chrétien. Il peut même se convertir à cause de toi. Alléluia. Et puis tu es là, oh Seigneur, ma prière a été exaucée. Oh alléluia. Alléluia. Amen. 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 Tu ne prends même pas la peine d'aller prier. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc je dis, la sorcellerie d'autodestruction est une bonne ou mauvaise pensée. C'est-à-dire que la pensée, quand on te la présente dès le départ, elle est bonne. Elle est chic. Ouais, non? C'est une pensée chic. Ouais, non? Mais après, il y a des chics derrière. Alléluia. Amen. Il y a des puces qu'on a, des petites puces, on appelle les chics. Mais elles sont derrière. Alléluia. Parce que dès le départ, il est bien présenté. Alléluia. Il est bien présenté, alléluia. Donc, tu dois comprendre aussi une chose que, amen, que c'est un projet, amen, c'est une attaque qui se fait comment? Elle se fait inconsciemment, consciemment. Pourquoi? Parce que souvent, on se maudit sans s'en rendre compte. Souvent, on se maudit sans s'en rendre compte. On se bloque même sans s'en rendre compte. Est-ce que quelqu'un est là? Quand vous prenez, par exemple, l'histoire de celui qui a créé le KFC, ouais, c'est dans sa vieillesse, là, même, dans sa vieillesse, il a rencontré Jésus. Amen. Et c'est dedans, il a créé le projet. C'est dans sa vieillesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que le monsieur, malgré qu'il faisait des échecs, amen, il rebondissait à chaque fois. Est-ce que vous comprenez? Pour dire quoi? Quand Dieu a déposé un projet en vous, alléluia, alléluia, amen. Le diable sait que, amen, le projet qui est en vous là, lui, il le voit. Donc, il va vous pousser vous-même à vous maudire. Parce que le monsieur qui a fait KFC, il pouvait dire, bon, c'est bon, laisse tomber. Il va dire, oh, amen, ok. Mais à chaque fois, il refaisait quelque chose. Jusqu'à ce qu'il a pu atteindre le but. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? C'est important pour dire quoi? Pour dire que le projet que tu portes en toi, là, amen,
Je vais te donner une révélation derrière ça, tu vas me comprendre. Regardez, lorsque les gens se levaient pour mettre la pression sur Moïse et Aaron, amen, amen, le diable, il veut que toi-même et lui, vous soyez associés, amen, je me répète, mais tu vas comprendre, alléluia, pour qu'ensemble, vous, pour qu'ensemble, tu sois détruit. Mais dans l'histoire, lui, il sait qu'il est déjà perdu. Hey, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Satan, lui, il connaît sa place déjà, alléluia. Mais toi, là, dans l'histoire, tu es le grand perdant. Pourquoi? Parce que quand on te regarde, oh, la femme, là, elle a laissé son mari, elle allait prendre un autre gars. Oh, 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 c'est toi, c'est de toi qu'on parle, on ne dit pas Satan. Et je ne sais pas s'il comprend ce qu'on dit. Oh, le monsieur, amen, il était arrivé à un certain niveau. Oh, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris du jour au lendemain comme ça. Il a remisé tout son bien dans un truc, il a tout perdu. Oh, mais il est bête, hein. Ouais. C'est toi qu'on voit, amen, mais c'est pas le diable qu'on voit. Je ne sais pas s'il comprend ce que je dis là. Parce que devant Dieu, je vous ai expliqué ça quand dans mercredi, dans le live, je vous ai parlé de l'inconscience. Amen. Devant Dieu, amen, Dieu va nous prendre pour des inconscients, amen. Mais le diable, il sait que, amen, c'est la partie consciente là qui va être jugée. Pas seulement par Dieu, mais par tout le monde. Parce qu'ici, on parle de Aaron et puis Moïse. Aaron et Moïse, ils ont fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Oh, ils ne sont plus rentrés à Canaan. C'est pas ce qu'on est en train de dire ici. C'est la même chose, non? Faut pas qu'on dise ça de toi. Faut dire j'ai compris. Ne dis plus amen. Dis j'ai compris. Il n'a pas compris. J'ai compris. Faut pas que ça vous arrive. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que ça vous arrive. Quand tu rencontres Jésus, quand tu es en train de marcher avec Dieu, il faut savoir que Monsieur Satan est là. Il veut contester cela. Il a besoin de toi pour te détruire. Il faut dire ça, j'ai compris et je refuse maintenant. La parole que tu est aussi une sorcellerie sournoise. La sorcellerie sournoise. Regarde. Quand tu prends dans Néhémie 6, là, versets 5 à 8, regardez. Je vais vous relire. Il dit quoi? Sambala m'envoya ce messager. Écoutez bien. Hein. Et pardon. Sambala m'envoya ce message. Écoutez bien. Une cinquième fois. Je m'arrête là. Une cinquième fois. Par son serviteur. Quand le diable te fait tomber. Ou bien quand le diable veut t'arrêter. Quand il ne veut pas que ton projet aboutisse. Il va faire rebelote. Sur rebelote. Sur rebelote. Il va venir te causer dans ton esprit, en songe, avec des sons de mensonge. Ta meilleure amie, ton meilleur camarade, toi qui ne soupçonnes rien dans sa personne, dans la personne. Alléluia. Souvent, ils sont conscients. Quand tu viens lui apprendre que tu as reçu un examen, hé, tu as reçu ton examen. Oh, fais attention. Pourquoi? Parce que, amen, il t'envoyait en boîte, il t'envoyait dans les maquis, il t'envoyait dans les coins. Il te faisait voir des choses bizarres. Mais pour lui, tu ne dois pas étudier. Pour lui, tu ne dois pas réussir comme lui. Mais quand tu réussis, il y a déjà. Moi, j'ai pris pour. Je fais des délivrances, je vois. Il y a des gens, ben, ils ne parlent plus avec leurs meilleurs camarades parce qu'ils l'ont réussi. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Je vous donne. Attends, il y, y a quelqu'un qui n'est pas là. Je donne le témoignage. Il va entendre. La personne m'a expliqué quoi? Quand elle était enfant, amen. Amen. Qu'elle était maladie, tout le monde, bon, se disait que celle-là ne pouvait même pas s'en sortir. Mais petite, amen. Amen. Ça va là. Maintenant, quelques années plus tard, tous, parmi les gens là, ce que je vous dis là, c'est vrai. Parmi les gens, les sorciers. Parce que ce personnage, j'ai compris quand elle m'expliquait le témoignage, il fait partie du groupe des sorciers qui l'ont attaqué en fait. Quelques années plus tard, il se retrouve amen dans l'école de son papa. Lui-même là, il ne sait même pas comment il a fait pour se retrouver même dans l'école. Il voit le frère, il dit au frère, mais aïe, mais tu travailles ici. Le frère dit non, c'est mon école. Mon ami. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que le frère lui dit c'est mon école. Alléluia. Là, il a dit la chaise même. Amen. Il a failli s'enfoncer dedans. Parce que pour lui, quand il regarde le monsieur, lui, là, il peut avoir école. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il y a un même, alléluia, il allait rendre visite chez son camarade. Son camarade lui a monté son bureau. Il a vu le bureau, la société, amen. J'ai dit, il a coupé son téléphone. C'est pas, ce que je vous dis est vrai, il a coupé le téléphone.
pourquoi toi tu réussis. Ça me fait mal. Toi aussi, tu as la société, toi. Il y a des gens, amen, alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, le diable, amen, quand le diable est furieux contre toi, faites attention, parce que Dieu est en train de te libérer dans ce que je suis en train de dire. Donc, il faut saisir la révélation de Dieu. Amen. Quand il a été libéré, le monsieur le voit, il dit non. Amen. Il accompagne dans son entreprise, il dit non, ici c'est chez moi, voilà les bureaux, tant. Il a dit fâché de se fâcher. Tu connais fâché de se fâcher? Il a coupé le téléphone. Le monsieur appelle. Il dit papa, j'ai appelé là-bas. J'ai appelé la dame. J'ai appelé une fois. Deux fois, plusieurs fois, elle n'a pas répondu. Il dit maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un téléphone, un n'importe quel téléphone. Quand j'ai appelé net, il a répondu. Il dit, ah, Dieu, eh, Seigneur Jésus. Il faut dire à quelqu'un, Satan est mauvais. Vous n'avez pas parlé, alléluia. Même ceux qui sont à côté, je vais entendre ta voix. Il faut dire, Satan est mauvais. Alléluia, ouais, amen. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'amen. Regardez, il a répété, il a envoyé un serviteur 5 fois. Et puis, amen, il dit quoi encore? Il dit qu'il tenait à la main une lettre ouverte. Il avait écrit, le bruit, écoutez bien, le bruit se répand parmi les nations et Gachmoum affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Faut dire un fox. Intox. Voilà. Parce que, amen, il était en train de mentir sur lui. Quand tu es en train d'avancer, il y a des mensonges aussi qui viennent te rattraper. On ment sur toi. Là où on t'a pas vu, on dit qu'on t'a vu là-bas. C'est que tu n'as pas fait, on dit t'as. Pourquoi? C'est pour te déstabiliser. Et c'est ce qu'on faisait contre Néhémie. Est-ce qu'il comprend? La parole qui tue. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est aussi une sorcellerie, il faut l'écrire, sournoise, que le diable utilise à partir de l'esprit maléfique qu'on appelle la distraction. Est-ce que vous comprenez? Oui, les gens qui sont distraits là, souvent tu es là, Dieu veut te parler dans la prière, ton nid est sur la télé. Tu cherches quoi là-bas? Et puis le film, tu l'as déjà regardé plusieurs fois. Dieu veut te parler de ton business plan, il veut te parler de ton projet de mariage. Toi, tu t'en vas regarder le film de la vie des autres. Et regarde, elle a trompé son mari. Mais toi, tu n'as même pas encore ton mari. Tu t'occupes des choses des gens. Alléluia. Et il y a des hommes aussi qui s'y mettent. Ils regardent les films des femmes là. Ah, mais ils se battent même sur la télécommande, alléluia, avec leur femme. Ou bien les enfants. Alléluia. Alléluia. C'est important. Quelqu'un est là. Tu dois comprendre que le projet que tu as en toi, quand le diable veut t'arrêter, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser la distraction. La distraction, mais elle est sournoise. Hein? Parce que tu peux regarder même quelqu'un qui est intéressant. Mais Dieu veut te parler. C'est intéressant. Oh! C'est intéressant, tu es en train de regarder, mais Dieu lui veut te parler. Il t'attend dans la prière. Il fait même que souvent, il n'y a pas le réseau. Mais là, tu veux faire tout, tu vas appeler la compagnie. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de réseau. Or que c'est Dieu qui le fait. Est-ce qu'il comprend? Tu peux dire amen, alléluia. Amen, amen. Mais c'est Dieu qui le fait, alléluia. Amen. Tu insistes même. Tu veux monter sur le toit pour réparer. Tu veux? Ah, mon ami, c'est Dieu qui t'attend dans la chambre. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit, alléluia? Et c'est vrai ce que je te dis. Pourquoi? Amen. Et ça, c'est là. C'est sournois. Hein? Puisque tu ne sais pas. Toi, tu es là. Amen. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. C'est là que Dieu est en train de te parler. Faut dire, sors de ma vie. Sors de ma vie. Esprit maléfique. Esprit maléfique. Toi qui me distrais. Au nom de Jésus-Christ. Parce que, amen, ce que tu dois comprendre, la sorcellerie de la sournoiserie, amen, elle est basée sur la distraction. Alléluia. Pour essayer de faire quoi? C'est pour essayer de retarder. Alléluia. Alléluia. Le projet de l'éternel qui est dans la vie d'une personne. Amen. Et ensuite, alléluia, pour terminer, amen. Je voudrais aussi t'expliquer une chose. La parole que tu, c'est aussi, amen, une fausse parole de Dieu. Voilà. Rappelez-vous, quand on lit le verset 10 à 13, amen. Regardez, le verset 10 à 13, amen, toujours. Néhémie 6, amen. Amen. Verset 10 à 13, il dit quoi? Il dit, c'est intéressant cette fois. Il dit, je me rendis chez Maïja, fils de Delaja, fils de Mehetabel. Écoutez bien,
parlé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendra la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'y entrerai point. Verset 12, regardez, il a discerné quelque chose, il dit, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Oui. Parce que l'homme de Dieu, la femme de Dieu en qui tu crois, alléluia, amen, tu as mis Dieu de côté, c'est l'homme maintenant en qui tu crois. Le diable peut l'utiliser pour te tromper. Pourquoi? Parce que toi, prière là, ce n'est plus ton moment. Verset biblique là, ce n'est plus ton truc. Toi, tu préfères t'attacher à l'homme au lieu de t'attacher à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Eh, Néhémie, amen, a failli tomber dans le piège. C'est comme ça parmi nous. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le projet que nous avons, alléluia, il va installer dans le monde les religions. Les religions, c'est quoi? Les religions sont basées, il y a d'autres religions qui sont basées sur les fausses doctrines. Vous avez des fausses paroles de Dieu. Amen. Faut dire, nous, on est dans l'islam, là. Amen. On était dans l'islam, amen, alléluia. Il y a des religions, là, même le catholicisme. Ici, là, regardez en France, regardez en Europe. Les guerres qu'il y a eu en général, c'était les guerres de religion. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont dit que non, ceux qui sont de Rome, ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Amen. Ils veulent se séparer d'eux. Ils ont été tués, massacrés. Amen. Tu es dans l'islam, faut dire. Il y a des pays, amen, sortis de l'islam, amen, c'est un blasphème. Tu as droit à la condamnation, mais à la décapitation. Parce que tu dis que tu ne crois pas en Dieu, c'est ton problème. Si moi je dis je vais à l'enfer, c'est ton problème là. Ça là aussi, on doit te tuer pour ça. Il y a des familles à qui tu dis, comme par exemple ma fille là, une de mes filles, amen, elle marchait avec sa maman dans l'église catholique. Le jour qu'elle a dit à sa maman, je quitte, je vais à l'évangile. Elle dit, papa, je ne sais pas si c'est un funérail, mais elle a fait un funérail ce jour-là. Elle dit, c'est maintenant que je commence à comprendre. Oh, que c'était associé de ma vie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui! Réveillez-vous! Il y a des gens, amen. Vous devez comprendre, amen, que le diable, à cause du projet qu'il y a dans la vie des enfants de Dieu, il installe de fausses religions et de faux livres sacrés. De faux livres sacrés. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Est-ce que je comprends ce que je dis? Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre que pour prier, on va prier. La parole qui tue est une fausse parole de Dieu. On peut la retrouver dans des fausses prophéties ou des faux livres de Dieu pour étouffer par la peur. Oui, faut remarquer, alléluia. Il y a des pays qui sont beaucoup islamisés, alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont accepté Christ, mais ils ont peur qu'on le sache au grand jour. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils ont peur que leur famille les tue ou bien les rejette. Mon ami, vaut mieux être mort pour la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est chic. Hein? C'est doux, la vie éternelle. Ah, c'est doux. Il faut lire Apocalypse, c'est doux. À cause des gens. Amen. Il y a des gens qui disent, notre religion est amour. Mais il faut dire simplement que je ne suis plus avec vous. Ah, ils vont te tourner le dos, ils vont commencer à t'attaquer. Vous êtes dans des familles, des animistes, ils adorent de boire, de l'autre, tout. Tu dis, tu ne fais pas ça. Ils commencent à t'agresser à cause de leur faux Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'on a voulu faire à Néhémie. Alléluia. Donc tu dois comprendre que la parole qui tue est aussi une fausse parole de Dieu. On peut la retrouver dans des fausses prophéties ou des faux livres de Dieu pour étouffer, je dis bien étouffer, amen, par la peur, le projet de l'éternel Dieu dans la vie d'une personne. Cette fausse parole a pour but de détourner une personne du projet de l'éternel Dieu qui est dans sa vie. Oui. Parce que quelqu'un qui a peur, quelqu'un à qui on fait peur, on dit non, je te coupe les vivres aujourd'hui, tu n'as plus mangé, on ne te donne plus l'argent, on ne fait plus ça. Parce que tu dis non, toi tu as accepté Jésus. Il faut aller, Jésus va te donner à manger maintenant. Jésus donne à manger, alléluia. Va accepter Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Il y a d'autres mecs qui se moquent. Quand tu commences à prier, tu fais le moment de jeûne. Hé, mais tu vas mourir de faim, toi. Comment tu jeûnes comme ça? Faut dire la parole qui tue. Quelqu'un peut dire la parole qui tue. La parole qui tue. Que j'ai accepté dans ma vie. Qui a été prononcée dans ma vie. On va se tenir debout. La parole qui tue. La parole qui tue. La parole qui tue. La parole qui tue.
Quelqu'un est là? Amen. Tenez-vous debout, vous élevez les mains, alléluia. Tu vas mettre surtout la main droite sur la tête, alléluia. Et on va prier ensemble. Mettez la main droite sur la tête, alléluia, nous allons prier. Alléluia. Il faut que tu sois sincère dans ce que tu vas dire. Et le Seigneur Jésus-Christ va te libérer, alléluia. Amen. Pendant, avant qu'on ne prie, amen, ferme les yeux. Je voudrais seulement te rappeler que Néhémie est allé jusqu'au bout. Il a rebâti, Dieu l'a utilisé, alléluia. Amen. Et tout a été mis en place. Alléluia. Je veux te dire une chose, que Dieu veut bâtir quelque chose de nouveau avec toi. Sinon, il veut réactiver le projet qui est en toi. Amen. Il y a des paroles que tu as prononcées sur ta vie. Des paroles qui tuent. Tu as dit, je n'y arriverai pas. Tu as dit que maintenant mon âge est avancé, je ne peux pas arriver à faire ce que j'ai dans mon cœur. Tu t'es tué comme ça. Mais maintenant, Jésus-Christ veut te ressusciter. On t'a dit que tu peux. On t'a dit. Tu es allé même dans les lieux comme Pôle emploi. On t'a expliqué que voilà les capacités que tu peux avoir. On t'a proposé même, amen, des formations que tu dois faire. Mais toi, tu dis que, amen, c'est trop long pour toi. Alléluia. Alléluia. Je veux l'argent vite, vite. Amen. Vite, vite, vite fait. L'argent, c'est Dieu qui l'a créé. Amen. Amen. Il sait quel salaire qu'il te propose pour plus tard. Alléluia. Il dit l'humilité. Fais quoi? Quand tu t'humilies dans la parole de Dieu, quand tu acceptes la parole de Dieu, Dieu te lève. Mettez la main droite sur la tête. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas quelqu'un parler. Hein. Je déclare sur ma vie. À l'instant même. S'il y a une parole qui tue. Qui a été déclarée sur moi. Dès mon enfance. Afin que je n'y aboutisse pas. Au projet de l'éternel Dieu. Qu'il a déposé dans ma vie. Toi la parole qui tue. Appelle un non-accomplissement. À l'instant même. À l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me détache de toi. Je me sépare de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il a été prononcé sur ma vie, une parole qui tue, et que je l'ai accepté, et que jusqu'au jour, de ce jour, cette parole est en train de me tourmenter, parce que la pensée de l'éternel Dieu est forte à moi, parce que je n'ai pas accompli ce à quoi il m'a appelé. Toi, la parole qui tue, que j'ai acceptée dans ma vie, je me répète. Je renonce à toi. Sors de ma vie maintenant. Sors de mon corps maintenant. Pars de ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant. C'est à partir d'une parole qui tue. Mon esprit a été emprisonné. Ma destinée a été emprisonnée. Je me retrouve à faire ce que je ne dois pas faire. Maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare sur moi. Oh yes. Je déclare sur moi. Je déclare sur ma vie. Toi la parole qui tue. Toi qui m'as emprisonné. Toi qui as emprisonné ma destinée. Aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me sépare de toi. Je brise. Je brise. Par la parole de Jésus-Christ. Je brise les liens de l'emprisonnement de mon esprit et de ma destinée. Nous brisons. Levez les deux mains maintenant. Levez les deux mains. Oh yes. Tu vas prophétiser sur ta vie maintenant. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle que ma parole, qui est la parole de l'éternel Dieu, qui m'a été donnée par l'éternel Dieu, pour m'accompagner. Comme Néhémie a été accompagné par l'éternel Dieu pour rétablir. Je déclare sur ma vie. Je prophétise dans ma vie. Je prophétise au nom de Jésus.
Je prospère sur le plan spirituel en Jésus Christ. Je prospère dans le domaine dans lequel l'Éternel Dieu m'a appelé. Je prospère à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Je prospère. Dis, je prospère. Je prospère dans tous les niveaux de ma vie, de gloire, au nom puissant de Jésus. Tu dis maintenant, maintenant, j'entre, 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 j'entre dans le séjour de ma gloire, le lieu appelé lieu de paix, de joie, de prospérité. Je marche. Quelqu'un peut dire je marche. Je marche dans mon succès. Faut prier, s'il vous plaît. Levez les mains. Laissez tout ce que vous avez dans les mains. Levez les mains. Levez les mains. Dis je marche dans ma prospérité, dans ma délivrance. Au nom puissant de Jésus. Levez la main. Levez la main. Oh yes. Reçois maintenant, recevez, recevez. Recevez maintenant, recevez. Le Saint-Esprit rétablit dans ta vie. Il te rétablit maintenant. Il te rétablit maintenant. Il te rétablit dans ta destinée de gloire. Il te rétablit maintenant. Sois rétabli, sois rétabli, sois rétabli, sois rétabli dans ta destinée de gloire. Sois rétabli, sois rétabli. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ Nazareth?